Monsieur Jimmy Åkesson, le parti Sverigedemokraterna en Suède. Avant-hier, il s'exprimait. Donc, eux, ils aiment bien venir au Parlement. Et il a dit qu'il voulait coopérer avec vous. Est-ce que vous avez déjà les contacts? Oui, je ne crois pas que c'est ce qu'il a dit, monsieur. Il a dit, il n'a pas dit ça. Je crois qu'il a dit, en l'occurrence, qu'il n'avait pas encore pris de décision et qu'il fallait qu'il regarde quelle sera la nouvelle assemblée pour pouvoir prendre une décision avec son mouvement sur l'appartenance ou non à un groupe. Je trouve que c'est assez légitime comme comportement et raisonnable. En l'occurrence, c'est ce que nous faisons aussi les uns et les autres. Regarder quels peuvent être éventuellement des points que nous partagerions sur la vision que nous avons de l'Union européenne, car il s'agit exclusivement de cela quand on fait un groupe au Parlement européen. Quelle Union européenne, quelle monnaie, quelle maîtrise des frontières, ce sont ces sujets-là qui font l'objet de réflexions, de travail de fond, mais il n'y a que les élections européennes qui peuvent déterminer ce que pourraient être demain les groupes qui siégeront. S'ils sont élus et s'ils arrivent au Parlement européen, est-ce possible que vous, avec eux, des autres groupes, des autres partis, forment un nouveau groupe? Ben, nous verrons bien, nous allons travailler sur ce sujet, nous allons apprendre à nous connaître aussi. C'est vrai que bien souvent nous sommes, et les uns et les autres d'ailleurs, très caricaturés par nos adversaires politiques qui veulent nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de montrer à M. Åkesson que le Front National n'est pas du tout le mouvement dont la caricature est faite dans différents pays, que nous sommes un mouvement tout à fait respectable, tout à fait raisonnable et en grande partie conscient des grandes difficultés qui sont celles de la France mais aussi de la Suède car elles sont similaires. Avant-hier, M. Åkesson a dit s'ils arrivent ici et s'ils partent en groupe, ce sera plutôt avec vous. Est-ce que vous travaillez déjà ensemble sur quelques questions? Mais nous verrons cela, si vous voulez. Nous avons un parti européen qui s'appelle l'Alliance européenne des libertés, dans lequel nous avons le bonheur de travailler avec notre ami Kenneth Roth. Et c'est vrai que le travail est intéressant. Maintenant, ça ne permet pas de dire quels seront les mouvements qui peut-être demain pourraient appartenir à ce groupe. Nous verrons ça après les élections.